Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Quand il m'arrive de parler de l'Algérie de mon enfance et de ma jeunesse à mes enfants, ils m'écoutent patiemment, mais non sans un certain agacement. Et j'imagine ce qu'ils doivent penser de mes longs soliloques nostalgiques. Que cette Algérie que je leur raconte est un pays chimérique, fantasmé, qui n'a jamais existé ailleurs que dans mon imagination. Et je les comprends, mes enfants, comme je comprends tous les jeunes qui nous regardent en ce moment et qui n'ont rien connu d'autre que ce qu'est devenu leur société. Ils ne savent pas que le pays de mon enfance et de ma jeunesse était propre, que nous sortions les poubelles après la tombée du jour et que nous les rentrions au petit matin. Que les villes et les villages étaient d'une propreté impeccable. Les atroces sacs noirs n'existaient pas encore. Ils ne savent pas, les moins de 50 ans, que nous avions des boîtes aux lettres dans nos immeubles, des portes d'entrée, des façades propres, beaux, sans baroudage, que de jolies petites maisons entourées de jardins fleurant bon le jasmin et le galant de nuit embellissaient nos villes, que nos maisons traditionnelles dans nos kasbas, dans nos médinas, étaient des foyers de convivialité, d'harmonieuse cohabitation, que ces quartiers vibraient de vie, qu'ils étaient emplis de marchés populaires, d'artisans qui pratiquaient leur art, de femmes voilées qui faisaient leurs courses. Nous traversions dans les passages pour piétons. Les automobilistes respectaient le code de la route. Les trains, les autobus, les taxis étaient rares, mais ils étaient aux normes de l'Europe. Et il n'y avait pas d'inondation quand il pleuvait. Les restaurants, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les cafés, les bars étaient très propres, soumis à des contrôles d'hygiène. Personne ne pouvait squatter le trottoir. Personne ne pouvait construire comme il voulait et où il voulait. On ne pouvait même pas apporter la plus petite transformation à son balcon. Oui, il est difficile de croire que notre pays était tout autre, que les maîtres d'école, les professeurs, les directeurs d'école étaient les personnages les plus respectés de la cité, qu'ils étaient pétris de valeur, qu'ils avaient valeur d'exemple eux-mêmes. Nous leur cédions le trottoir quand nous les croisions. Les mosquées n'étaient pas aussi bondées qu'aujourd'hui, mais ceux qui les fréquentaient assidûment étaient des hommes véritablement pieux, qui n'étalaient pas leur foi sur la place publique. Ils étaient bons, sereins, souriants. Ils n'avaient pas le doigt pointé sur les gens. Ils ne s'érigeaient pas en censeurs des mœurs. Ceux qui n'ont pas connu ces temps bénis ne peuvent pas imaginer combien la solidarité était agissante entre nous tous et au profit des plus démunis, des plus fragiles. Nous étions presque tous plus ou moins pauvres, mais nous avions le cœur grand, comme ça. Nous étions heureux de vivre, nous apprécions les plaisirs simples de la vie. Nous étions propres, nous ne jetions jamais nos ordures depuis notre balcon, nous n'incommodions pas nos voisins en mettant la musique à fond, nos mariages étaient discrets et pleins de vraie joie. À la campagne, où se trouvait la majorité de nos compatriotes, les gens étaient sobres, travailleurs, pauvres, mais d'une immense générosité. Il n'y avait pas un seul village où ne siégeait pas la Jma, la Tajmat, qui gérait la vie de la communauté, qui réglait les conflits, qui décidait de la Twiza, de la Ouzia, de la Ziara, des travaux collectifs pour le bien public. Nos élites étaient de vraies élites, désargentées, mais exemplaires. Nos fonctionnaires étaient probes, compétents, rigoureux. Il y avait une vie culturelle, des salles de cinéma, de vraies salles de cinéma, des théâtres, des salles de concert, des stades, des piscines. L'école était l'école.
L'université était une université. Les intellectuels étaient des abeilles laborieuses. Nous ne savions pas ce que corruption voulait dire. Je pourrais vous parler de mon Algérie d'avant, des heures durant, sans me lasser, mais je ne vous parlerai pas de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Là, vous le savez, pour en endurer tout ce qui l'accable, même si la banalisation a fait son œuvre, même si la jungle en folie, pour reprendre le titre de cette vieille BD, est entrée dans les mœurs, la jungle en folie. Nous allons demander à nos invités de nous dire ce qu'est devenu notre pays, ce qu'il a été et ce qu'il risque de devenir, à Dieu ne plaise, aujourd'hui. Liberté. L'Ardaria Bouira, chef-lieu de Daïra ou décharge sauvage, par RB. Huffington Post. Incivisme, négligence, atteinte à l'environnement, le syndrome algérien, par Kamal Bouslama. Le temps d'Algérie. Saleté durant la fête de l'Aïd. L'incivisme à la peau dure, par Tanina Benamer. Algérie, déliquescence civique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir Saïd Akinin, qui est avec nous ici, qui aime à se présenter comme militant pour les droits de l'homme, tout court. Nous aurons au téléphone avec nous Montassar Obotron, journaliste et historien depuis l'Algérie, et Saïd Jabelkhir, Allah yjibna al-khair kamel jma'in, inshallah. Journaliste et chercheur algérien en soufisme. Saïd Akinin, notre pays, Algérie, est devenu un immense dépotoir, des rues défoncées, des gens qui construisent n'importe comment, sans urbanisme, sans autorisation. Les bagarra, comme on les appelle aujourd'hui, en pignon sur rue, construisent leurs belles bidonvillas. Ce sont des bidonvillas, dit-on. Et laxisme total, ça a commencé d'ailleurs par les dirigeants, par en haut, qui ont commencé donc à donner le là. Et donc aujourd'hui, notre pays est en totale déshérence. Vous êtes jeune, je crois, vous ne vous rappelez pas de l'Algérie d'avant que j'ai décrite dans mon introduction, mais vous avez quand même vu l'Algérie se dégrader de plus en plus. Bonsoir Jemeldine, bonsoir aux téléspectateurs, salam alaikum Azoul, merci pour cette invitation. Merci aussi à toi de, par ton prologue, de m'avoir donné la possibilité du rêve. Pourquoi le rêve et pourquoi pas la réalité? Juste aimer vivre dans le printemps du jasmin. Juste aimer vivre au milieu des parfums. Juste aimer vivre au milieu du beau, du bon, et du constructif ainsi que du positif. Hélas, il est amer à dire, et la réalité est plus amère que le constat que nous allons dire. Nous avons un beau pays, un grand pays. Hélas, le poisson commence à pourrir par la tête, et notre pays, justement, y va dans cette avalanche qui va le mener, on ne sait pas où, mais souhaitant que ça ne soit pas le désastre. Ce n'est pas déjà le cas d'une certaine manière? Il commence, mais parfois quand on aime quelque chose, on fait le déni de certaines réalités. J'ai bien peur que ce ne soit cela, en effet. Et je ne veux pas appeler ça le déni, mais mon espoir, mon espérance pour ce pays, ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait un certain nombre de personnes ne nous permettent pas justement de brasser simplement un tableau tel qu'ils veulent justement. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui tiennent les clés de ce pays, qu'on le vive ou qu'on le brasse. Aujourd'hui, effectivement, agression à l'arme blanche, crime, rixe, vol avec violence, cambriolage
et autres délits sont commis de jour comme de nuit, hélas. De jour comme de nuit. Ce sont des phénomènes qui se sont banalisés. Mais la banalité n'annule pas la gravité. Ça, c'est des actes de délinquance. Mais il y a aussi d'autres actes qui est une autre variante des déviations, à savoir les incivilités. Dans les incivilités, détritus par terre, comme si les gens, ce qu'ils ne font pas chez eux, le font chez le voisin. C'est vrai que les Algériens chez eux, c'est très propre, généralement, vraiment propre. Les Algériens sont connus pour entretenir leur foyer de façon absolument tout à fait exemplaire. Sauf que, juste, d'ailleurs, ils ont un proverbe, les Algériens, qu'ils utilisent un peu partout, aux quatre coins du pays, ils disent « Haddi babdari ». Ça veut dire « Mes limites, mes frontières sont le pas de ma porte ». Ça veut dire « À l'intérieur, c'est chez moi, dehors, je ne suis pas concerné ». Donc il y a un manque de relations sociales des uns avec les autres, de civisme. Vous savez, Durkheim disait que les actes délinquants surviennent quand le sentiment d'appartenance à la collectivité est trop ténu. Le lien social trop lâche et l'encadrement moral insuffisant. Ça veut dire quoi ? Mais là, c'est presque le contraire. L'encadrement moral, non seulement il est insuffisant, non seulement il est absent, mais c'est l'inverse, puisque ceux qui sont censés nous encadrer, nous diriger, sont eux-mêmes plus pourris que tout le monde. Exactement. Mais ça, effectivement, c'est deux niveaux de responsabilité. Mmh. Il y a la responsabilité de ceux qui sont censés driver le pays, qui ont construit des stratégies d'hégémonie par le désordre. Le désordre économique, le désordre politique, le désordre social, le désordre psychique, le désordre psychologique, tous les désordres sont réunis pour qu'ils puissent justement se maintenir en place. Et désordre moral. Effectivement, moral. En effet. Mais là, moi je parle d'un autre niveau de responsabilité. C'est la responsabilité de l'être, de l'individu, du citoyen qui est là grâce à la communion. Grâce à la collectivité, bâtir un être collectif prospère, harmonieux, un savoir-vivre ensemble. Sinon, si ce n'était pas cette responsabilité individuelle devant la déliquescence… – Nous allons demander à Montassar Obotron qui est avec nous au téléphone. Montassar, merci d'être avec nous. Montassar Obotron. Allô ?– Montassar Obotron. Montassar Obotron, merci d'être avec nous, Montassar. Oui, mais j'entends très mal. Hein. Ah, donc je reviens à vous dans un instant. Nous allons vous laisser entre les mains du soutien technique et je reçois notre ami Saïd Jabelkhir, journaliste et chercheur algérien en soufisme. Merci d'être avec nous. Ah, on n'entend pas, il y a un problème, il me semble. Bonsoir. On vous entend très bien. Merci à vous. Alors, Saïd Aknin parlait il y a un moment d'être collectif harmonieux. Est-ce que c'est cela le problème en Algérie? Est-ce que cet être collectif, cette société, ce peuple, on l'appelle comme on voudra, est en train de se liquéfier, de partir dans tous les sens? Eh bien, je pense qu'il y a deux volets pour parler, si on veut répondre à cette question, à mon sens, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet de collectif, c'est-à-dire il y a un Américain qui a fait une remarque, il est venu en Algérie, et il a remarqué que les Algériens, chez eux, c'est très propre, et à partir de la porte d'entrée de la maison, à l'extérieur, c'est pas propre. Il a fait la remarque, il a déduit que l'Algérien, pour lui, sa maison lui appartient, mais en dehors de sa maison, ça ne lui appartient pas. C'est dire que l'Algérien n'a pas la conviction que sa patrie lui appartient.
Et c'est la raison pour laquelle qu'il ne s'intéresse pas à la propriété de sa patrie, à la propriété de la rue, à la propriété des espaces collectifs. Il ne s'intéresse qu'à la propriété de sa propre demeure, de son foyer, de sa maison. Mais pourquoi Saïd Jabelkhair, l'Algérien n'était pas comme ça. Moi, j'en atteste. Moi, je suis parti de cette génération où nous n'étions pas comme ça. Qu'est-ce qui a fait que nous ayons autant changé et pourquoi nous avons changé comme ça, de cette façon? Je pense qu'il y a une question de confiance. La confiance, elle était à son bon, à l'aube de l'indépendance, mais je pense que cette confiance-là, chez les Algériens, a commencé à dégringoler, à descendre dans leur sentiment collectif, à tel point où ils sont arrivés aujourd'hui à ne plus avoir confiance dans tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne l'a ne leur appartiennent pas directement de façon individuelle. C'est-à-dire tout ce qui est collectif, ils n'ont pas confiance en ça parce que pour eux, tout ce qui est collectif, c'est le Beylek, c'est d'où là, c'est le Hukuma, c'est pas eux, c'est pas chez eux, c'est pas, ça ne leur appartient pas, ça appartient à ceux qui gouvernent, ça appartient à des gens en qui, en général, ils n'ont pas confiance et donc ils ne soucient pas de ça. Pourtant, voilà. Saïd Jabelkhair, dans le football, par exemple, dans le domaine du football, par exemple, il y a une vraie cohésion. On assiste à des rencontres, un enthousiasme débordant, une joie qui éclate, des gens qui sont parfaitement harmonisés les uns avec les autres. Et d'ailleurs, nous le connaissons un peu. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! Mais pourquoi tu cries vive l'Algérie? Vous avez perdu. On a perdu le match. Je vous avais perdu. On a perdu. Pourquoi? Non, on n'a pas perdu. Monsieur Benjamin Benchinoud. On a gagné un match nul. Vive l'Algérie. Pourquoi on ne dit pas 1, 2, 3, vive l'Algérie? Pourquoi on dit 1, 2, 3, vive l'Algérie. L'Algérie, parce que les gens parlent des corrompus. Quoi, tout frère, vive les corrompus. Monsieur Jamel Benchinoud, pourquoi vous chantez Benchinoud, Benchinoud. Jamel Benchinoud, Chinoud. Pourquoi vous ne chantez pas avec nous? 1, 2, 3. Je chante, moi, allez, allons-y. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, c'est toujours la saleté, il faut chanter un petit peu. 1, 2, 3, pour oublier, vive l'Algérie. Pour nous saouler à la 1, 2, 3. Ben oui, mais tu sais, pourquoi l'Algérie a perdu? Monsieur Jamel Din Benchinouf, D'ailleurs, l'entraîneur, ils l'ont chassé, je crois, l'entraîneur. Non, ils ne l'ont pas chassé. Tu sais pourquoi? C'est moi l'entraîneur, en fait. Ah bon? Ah oui, c'est moi l'entraîneur. Tu sais pourquoi on a perdu un match nul, on a gagné un match nul? Oui. C'est parce que c'est Takachouf. Si c'est Takachouf, on n'a pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai ramené Medjani parce que j'ai cru qu'il va jouer gratuitement, gracieusement. Il s'appelle Medjani. Après, il me demande 2 millions d'euros. Medjani, c'est pas gratuit. Medjani, c'est non. C'est pas qu'il coûte rien. Ah bon? Ouais. Après, comment j'ai fait? Ouais. Je ne peux pas le payer, c'est Takachouf. J'ai rappelé Ben Deboz. Ouais. Comme ça, s'il parle, il va lui casser la... Tu vois C'est pour ça qu'on a gagné un match nul. Vive l'Algérie. Merci. Vive l'Algérie. Merci. Monsieur Benchinoud, oui. Il y a un problème là. Pourquoi? C'est trop propre chez vous. Ah bon? C'est ça la France. Ah mais nous on fait exprès parce qu'on... En Algérie, c'est pas ça. Merci. Pardon, Saïd Jabelkhair, je reviens à vous. Qu'est-ce qui a fait que nous ayons autant changé d'une façon aussi massive, aussi intense, à un point où on dirait qu'il n'y a plus de lois, plus de règles, même pas un consensus des gens. Avant, par exemple, dans la campagne, les gens n'avaient pas besoin de lois, de règlements, ils s'entendaient tout seuls, la tejmet, ils se mettaient d'accord les uns avec les autres, ça marchait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que d'abord, l'école n'a pas rempli son rôle et je pense que c'est le point le plus important.
L'école n'a pas rempli son rôle parce que l'école, au lieu d'enseigner le civisme, au lieu d'enseigner la citoyenneté depuis l'indépendance, elle enseigne autre chose. Et là, on en est arrivé à des leçons sur les toilettes des morts, donc pour les élèves de primaire. Et ça, c'est vraiment le sommet du ridicule, comme dirait l'autre. Mais le civisme n'est pas enseigné, la citoyenneté n'est pas enseignée, et même les mosquées ne remplissent pas leur rôle, parce que la mosquée, elle aussi, elle n'enseigne pas. Moi, j'ai vu, je ne suis pas en train de philosopher, je parle d'éléments de terrain, de réalité, des choses que j'ai vues sur le terrain. J'ai vu des mosquées dans lesquelles des gens se regroupent, se rassemblent pour prier, Jumwa et autres prières. Et alors, tout autour de la mosquée, il y a des tonnes de saleté. Et personne ne pense à enlever ces ordures. Et mieux que ça, il y a des gens qui posent leurs arabes, comme on dirait, ils posent leur tapis de prière devant les ordures, et ils font la prière devant les ordures parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur de la mosquée. Personne ne se soucie, même le monsieur qui guide la prière, qui oriente la prière, ne dit pas un mot sur ça. On dirait qu'il est content, on dirait qu'il est consentant, qu'il est d'accord sur ça, qu'il n'a aucun problème, qu'il n'a aucun souci. Et il est en train de leur parler de Dieu, du prophète, en train de leur parler de choses qui sont très, très loin, c'est-à-dire qui sont très loin de la réalité amère, qui se trouve juste à l'extérieur de sa mosquée. Et là, c'est des contrastes que moi-même, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si que pourraient dire les sociologues ou les psychologues sur des scènes pareilles. Nous avons perdu Montassar Obatron, nous allons rester avec nous, Saïd Jabelkhair. Nous avons avec nous Mustafa Mazouzi, merci d'être avec nous Mustafa. Mustafa Mazouzi, est-ce que Mustafa Mazouzi est avec nous, s'il vous plaît? Mustafa Mazouzi, vous m'entendez? Je vous entends trop mal. Hein. Trop mal, donc je vais encore vous laisser entre les mains du soutien technique et je reviens à vous comme Montassar Obatron que j'espère que nous allons retrouver bientôt, j'espère. Et je reviens à Saïd. Allô. Mustafa Mazouzi, vous m'entendez? Je vous entends trop mal. Hein. Alors je vous laisse au soutien technique, ils vont régler le problème et je reviens à vous dans un petit instant. Saïd Akhni, tout à l'heure vous me parliez de ce que vient de nous dire Saïd Jabelkhair, des gens, y compris parmi les fidèles qui vont à la mosquée, qui passent devant les ordures, qui s'amassent autour des mosquées, qui ne les voient même pas. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les fidèles des mosquées, c'est tout le monde. C'est les enfants, les vieux, les jeunes, les policiers, la mairie, le Wali, le Premier ministre, personne ne voit plus ces ordures qui jonchent le pays tout entier. Vous savez, quand le sentiment d'appartenance à la collectivité s'est effrité, on ne voit plus que soi. Et même parfois, on est perdu, y compris dans le soi. Maintenant, il y a plusieurs exemples. Là, c'est ce que j'ai vécu. On allait rentrer à Tizi Ouzou, et au cours du chemin, on voit deux camions qui transvasaient de la pastèque du premier camion au deuxième camion. Ils ont créé 3 heures, voire 4 heures d'embouteillage. Ça veut dire dans pleine route ? En pleine autoroute. Autoroute ? Autoroute. Ils transvasaient des pastèques. D'un camion à l'autre ? D'un camion à un autre. Une fois dans une autre... Vous savez que si vous racontez ça à quelqu'un qui ne connaît pas le pays, un Français, un Belge, un Allemand, oui, un Norvégien, il ne vous croirait pas. Ouais. Il vous dit non, vous exagérez, ça ne peut pas être comme ça. Mais on a vu encore pire. On a vu juste à côté d'une passerelle, au niveau de l'autoroute justement, des gens, des hommes et des femmes qui se permettaient de traverser directement l'autoroute sans passer par la passerelle. Oui, là c'est connu. Là, c'est... Oui. Nous avons vu une voiture, une moto qui prenait le sens inverse au niveau de l'autoroute. Oui. On a tout vu. Et le pire encore, moi j'ai été à Braké.
cet été, j'ai été voir de la famille, je leur passe d'ailleurs le bonjour. Il y a 4 ou 5 mosquées. Et dans les 4 ou 5 mosquées, il y a à peu près 10 000 fidèles, ce qui en soi est très bien. À partir du moment que les gens croient en quelque chose et que ça leur permet d'avoir un équilibre avec soi, dans la société, dans la famille, et d'œuvrer justement pour le bien-être collectif, tant mieux. Toute la ville est bordée d'ordures et ils sont 10 000 à faire la prière. Je le redis, si tout un chacun de nous part avec un sac plastique, il prend un détritus, nous allons faire de cette ville la ville la plus propre dans ce pays. Hélas, ils ne le font pas. C'est ce que j'ai évoqué même avec les gens qui font la prière dans mon village. Mais évitons la caricature, évitons les clichés, parce qu'on ne va pas faire non plus le procès d'une telle ou une telle religion. On est là pour parler d'un phénomène global, pour dire que l'incivilité aujourd'hui est devenue une culture, une nature. Et à partir du moment qu'elle est banalisée, elle devient une chose normale, alors qu'elle est, elle ne devrait pas être normale, elle devrait être justement anormale. Quand on voit des gens juste à côté de chez eux, ils urinent dans la rue. Quand on voit des gens, ils mettent leurs chaussures sur les sièges dans un autobus. La vulgarité, il y a des villes aujourd'hui, y compris, je vais citer un exemple, et ça on le dit dans les villages. Aujourd'hui on dit dans les villages qu'on ne peut pas descendre à la ville de Tizi Ouzou avec sa sœur ou sa mère. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vulgarités, et tout ça sous l'œil de nos aînés. L'œil médusé, l'œil hypnotisé de nos aînés qui n'ont pas l'habitude justement de ce genre d'entorse à la vie collective, pour lesquelles les valeurs, pour lesquelles les principes, pour lesquelles la vie en communauté, justement, c'est le prolongement de la vie de famille. Dans un village, tout le monde se connaît, en ville, y compris avec la sédentarisation, mais on vient tous de... Mais il y a un autre phénomène, c'est le phénomène d'exportation. C'est le phénomène, justement, on a construit parfois des villes cosmopolites, sans que les gens ne se connaissent, et par conséquence, il y a un certain nombre de fléaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs mécanismes de contrôle de la société. Il y a les mécanismes formels, il y a les mécanismes informels. Les mécanismes formels, c'est justement la police, la justice, tout ce qui est instrument d'application de la loi. Hélas, dans notre pays, c'est plus des instruments de répression qu'autre chose. Et il y a aussi des instruments informels, dont la famille. Moi, j'ai séché l'école quand j'étais petit, et c'était un voisin qui m'avait corrigé. Oui. Et mon petit frère, c'était la même chose. On est dans le village, dans le quartier, on n'est plus l'enfant de ses parents. On est l'enfant de tout le village, de toute la communauté. Nous, on va essayer avec Saïd Akhni, pardon. On va essayer avec qui est avec nous, Mustafa Mazouzi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, M. Jamal, je vous entends. Ah, très bien, Alan Bek, Mustafa, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mustafa, vous vivez en Kabylie, oui. Vous avez une idée un peu de l'organisation sociale d'avant, dans la campagne, comment vivaient les gens, rapport à maintenant, je veux dire. Essayez de nous en parler un petit peu. Allô? Oui, on vous écoute, Mustafa Mazouzi. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est bien. Merci à vous. Donc, par rapport au sujet du jour, ce que je peux vous dire aujourd'hui, le constat est alarmant, c'est bien. L'Algérie, aujourd'hui, n'est plus un citoyen. L'Algérie, aujourd'hui, est devenu un habitant. Vous savez, les Algériens, en général, et pas spécialement Kabylie, parce que moi, je refuse les particularismes. Aujourd'hui, les Algériens n'accomplissent plus leurs devoirs patriotiques ni leurs devoirs civiques. Donc, conséquence d'un pouvoir totalitaire qui a abrutisé, je m'excuse du terme, qui a abrutisé les Algériens. Aujourd'hui, l'Algérien est devenu égoïste, alors qu'avant, il était généreux, il était solidaire. Aujourd'hui, on ne se reconnaît plus en tant que Algérien. Même en communauté, on n'arrive plus à s'accepter, on n'arrive plus à être solidaire.
solidaire. C'est terrible. Aujourd'hui, le simple l'Algérien aujourd'hui ne cherche qu'à manger, je m'excuse du terme, qu'à manger, qu'à ramasser. C'est le terme. Donc, quand vous voyez si jamais, moi j'ai vu des scènes vraiment terribles. Quand vous voyez, j'ai vu des Algériens. Des Algériens, quand ils trouvent un sachet de lait, ils sont tout heureux. C'est comme si on gagnait tout. Donc, vous voyez qu'est-ce qui a fait le pouvoir en ce peuple. Ils ont rendu un type digestif. Donc, je peux vous dire aujourd'hui, que l'Algérien est déstructuré sociologiquement et socialement aujourd'hui. Pourtant, il y a des gens qui essayent dans ce pays, qui créent des associations, qui vont dans le bénévolat, qui vont nettoyer les plages, qui vont nettoyer leur quartier, qui organisent des comités de nettoyage du quartier. Il y a des gens qui essayent, qui font tout ce qu'ils peuvent, même s'ils sont rares malheureusement. Vous savez, c'est Jamal. Avant, quand vous prenez Alger dans les années 80, c'était une vie très propre, parce que les Algériens accomplissaient leurs devoirs civiques. En plus, je pense que le peuple avant, il était un peu discipliné. Maintenant il est devenu, je m'en fous triste. Quand vous voyez dans les cités, par exemple, les cités HLM, quand vous voyez des gens qui jettent, je m'excuse du terme, leurs ordures du 6e ou du 7e étage, là ça devient inquiétant, c'est dangereux. Donc le constat est fait, si bien mal. Il est alarmant. Nous n'avons plus de citoyens. Et c'est dramatique. Parce que moi, quand je fais ce constat critique, je me dis, si aujourd'hui nous avions une citoyenneté, si on avait exercé notre citoyenneté depuis du mois du gouvernement de Bouteflika, on n'aurait pas accepté ce pouvoir mafieux. Donc aujourd'hui, je pense que les Algériens sont devenus, bien sûr, ça le dépasse. C'est de leur volonté, sont devenus des gens égoïstes, au point où, dans les villages, dans les quartiers, on peut plus circuler en sécurité, comme l'a bien dit votre intervenant tout à l'heure, votre invité. Donc, je pense que c'est terrible. C'est terrible. Restez avec nous, Saïd Mazouzi. Je reviens à Montassar Obotron, en espérant que la liaison est bonne maintenant. Montassar Obotron, on l'a perdu. Très bien. Alors, je reviens à Saïd Jabel Khair. Saïd Jabel Khair. Oui, je vous écoute. Très bien. Alors, je vais vous citer quelques phénomènes qui montrent toute l'ampleur de la déliquescence civique. Par exemple, le baraudage. Aujourd'hui, la plupart des étrangers qui arrivent en Algérie, la première des choses qu'ils remarquent, ils sont tous unanimes sur cette question, ils sont étonnés qu'il y a des barreaux à toutes les fenêtres, à toutes les portes, jusqu'au 15e étage. Ils sont aussi très étonnés par le manque d'urbanisme. Chacun construit comme il veut, où il veut. Par exemple, la Mitidja, personne n'ignore plus maintenant que la Mitidja était complètement bétonnée. Que les trottoirs, par exemple, les trottoirs sont squattés. Il y a des gens qui construisent en plein trottoir. Il y a des gens qui ont construit autour d'un poteau électrique qui éclaire le quartier, et j'en passe. Comment expliquez-vous ça? Seulement l'absence d'un État, d'un pouvoir fort, d'une administration rigoureuse et compétente, ou est-ce tout simplement une débandade généralisée? D'abord, concernant le baraudage, il faut dire qu'il y a depuis deux décennies au moins, au minimum, il y a un sentiment d'insécurité, parce que le baraudage, il reflète un sentiment profond d'insécurité chez les Algériens. Les Algériens ne se sentent pas en sécurité.
pour la raison très simple qu'il y a de plus en plus d'agressions, de plus en plus de... même les gens chez eux, ils sont agressés, chez eux, des fois ils sont agressés, donc ils ne se sentent plus en sécurité. Et c'est pour ça que, qu'on voit le baraudage un peu partout. Et c'est devenu même un réflexe, même d'une façon inconsciente, quelqu'un qui construit ou qui habite un nouvel appartement, il le baraude, il met le baraudage tout autour, même si l'appartement se trouve au 15e étage. Il va quand même mettre le baraudage parce qu'il ne se sent pas en sécurité d'une façon inconsciente et d'une façon par un réflexe, des fois que sans réfléchir, la plupart du temps sans réfléchir, il va mettre le baraudage, voilà, parce que c'est devenu un réflexe qui reflète l'insécurité profonde que ressentent les Algériens. D'une part, d'autre part, oui, effectivement, il y a le laxisme de l'État, le laxisme des institutions de l'État, et des gens qui occupent les postes, que ce soit la mairie ou le wali. Est-ce que maintenant la débandade est devenue tellement important, tellement massive, tellement généralisée, qu'il est devenu quasiment impossible de la réduire, de la combattre. On aurait ramené peut-être une administration, un pouvoir politique fort qui ne pourrait plus, parce que ce n'est plus des exceptions, c'est une pratique généralisée que d'être incivique, que de se vautrer dans l'incivisme le plus illimité, le plus effréné. En fait, il n'y a pas d'impossibilité, toutes les situations peuvent être corrigées, peuvent être revues et corrigées, c'est-à-dire on peut corriger cet état de choses, mais encore faudrait-il que les responsables donnent l'exemple. Le problème, c'est que les responsables eux-mêmes ne donnent pas l'exemple au petit peuple. J'entends par petit peuple le commun des Algériens, c'est-à-dire les gens le citoyen le plus simple, c'est-à-dire le fonctionnaire, le fondateur, tous les gens, le commerçant, donc l'employé, etc. Donc les responsables ne donnent pas l'exemple, c'est ça le problème. Quand vous voyez par exemple les gens squatter, quelques commerçants qui squattent les trottoirs par exemple, pour mettre leurs marchandises, et pour, ils ne laissent plus d'espace aux piétons pour passer, c'est du copier-coller sur les agissements d'un grand nombre de responsables. Ils font ce qu'ils veulent, hein, et ils piétinent les lois, et dans ces conditions le commun des Algériens va faire la même chose sans le peut-être même sans réfléchir, il va le faire. Si vous venez pour lui demander pourquoi il fait ça, il va vous dire que c'est tout le monde qui le fait. Regardez les responsables, ce qu'ils font, regardez. Et c'est vrai, parce que, par exemple, on remarque ça même dans les barrages, par exemple, des policiers, les barrages des gendarmes, les responsables, ils font ce qu'ils veulent. S'ils commettent une infraction, s'il est le fils de X ou Y, il ne va pas payer, on ne va pas lui retirer son permis. Mais si c'est un citoyen très simple qui n'a pas de pouvoir, qui ne connaît personne, qui ne connaît aucun général, qui ne connaît aucun haut responsable, il va être puni, on va lui retirer son permis. Saïd Diab El Khair, restez avec nous. Saïd Diab El Khair, Montasser Obotron, nous l'avons encore perdu. Nous sommes désolés, nous avons un petit problème avec le téléphone aujourd'hui. Je reviens à Saïd Aknin. Saïd Aknin, aujourd'hui les Algériens, tous les Algériens ont la parabolique au moins, sinon ils captent toutes les chaînes étrangères. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mimétisme à force de regarder comment vivent les autres. Sauf qu'on ne copie pas les villes des autres, on ne copie pas les espaces verts des autres, on ne copie pas les villes arborées, on ne copie pas les trottoirs nets, propres, les transports réguliers, on ne copie rien, ou presque rien, de ce qui est positif, malheureusement, mais on copie à peu près tout ce qui est négatif, tout ce qui est... à votre avis, oui. L'explication. Oui, en effet, il y a... Pour analyser ce phénomène d'incivilité et ce phénomène de mimétisme, on peut aussi introduire d'autres éléments d'analyse, à savoir le système économique
social économique qui avait prévalu en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à une certaine période, où il y a l'intrusion d'une façon anarchique et d'une façon un peu vulgaire et ostentatoire du capital, c'est-à-dire de l'ultra-capitalisme. Et qui dit ultra-capitalisme dit cassure dans toutes les catégories de la société et effritement de la famille et du lien social. Maintenant, par rapport à copier ce qui se passe ailleurs, s'il n'y avait pas d'État fort. Je vais vous interrompre parce qu'on a Montassar. Oui. Je suis désolé. Montassar Obotron, vous êtes avec nous ? Oui. Montassar Obotron. Allô, oui, Jamel. Alain Montassar, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous entends très mal, j'espère que je vais vous entendre mieux. J'aimerais que vous vous exprimiez sur cette débandade civique, s'il vous plaît. Je crois qu'on parle d'incivilité, Jamel. Oui, mais... Oui, si vous voulez, oui, en effet, d'incivilité érigée au système social. Je pense qu'il y a un problème de valeur, il y a un changement radical, la valeur travail a disparu. Vous savez que les pouvoirs maintenant, ils corrompent une société, c'est la culture de la rente. Donc, il n'était pas avant, et maintenant, voilà, c'est de guerre facile, ajouté à la violence. On se trouve devant une société très violente, et sans aucune valeur. Voilà pourquoi il y a les violences, il y a le vol, et c'est un peu encouragé, parce qu'en fin de compte, maintenant, on ne peut pas trouver quelqu'un qui travaille. Et c'est devenu honteux de travailler. Maintenant, être intelligent, c'est pouvoir voler, c'est pouvoir, c'est-à-dire se procurer de l'argent facile sans rendre compte. Et la solidarité, surtout familiale, a lâché devant les pressions. Je connais un enseignant à la CAL, il y a un phénomène de braconnage du corail. Maintenant, il m'a dit, c'est parce que maintenant les enfants sont plus riches que les parents et personne ne le demande et personne ne veut travailler. Et on est devant avec une société très inquiète. Avant, on avait d'autres valeurs. Je vous ai parlé avant sur le billet là, qu'un journaliste a écrit en 1962 dans Algérie républicain. Il rêvait d'une Algérie en 1980 où les quartiers faisaient des concours de maths, où les jeunes filles à Bouzeria attendent pour avoir un autographe des astronautes algériens. Donc tout ça, il le pensait pour 80, la société algérienne a fait une reculade incroyable. Le Montassar Obotron, est-ce que vous m'entendez là ? Oui. Très bien. Alors, toutes les villes algériennes, tous les villages, ce n'est un secret pour personne, sont la proie de gens qui construisent de façon illicite et qui construisent comme ils veulent. Ça veut dire, ce sont des cubes généralement de béton, avec de la faïence, de salle de bain. Chacun y va de son propre goût, sans aucun contrôle. Ils construisent n'importe comment. Et ça ne semble pas s'arrêter. À tel point que les villes, oui. Toutes les villes algériennes sont totalement défigurées aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Moi, je pense qu'on est arrivé, ici, on appelle ça maintenant le non-État. L'inexistence de l'État, donc chaque individu se prend pour l'État, il fait ce qu'il veut, les lois ne sont pas respectées, et voilà, c'est les pauvres. Quand on a besoin d'un État, de police, ils sont pas là. Ils sont pas là justement, et c'est comme ça qu'une anarchie se fait, et le phénomène de corruption devient loi. Et bon, c'est-à-dire ça devient normal que les lois sont violées. Même quand on trouve un policier, on lui dit quand même, ça c'est pas normal, c'est interdit. Il dit, et qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est devenu... c'est rentré dans la normalité. Et maintenant, par exemple, avant, on ne pouvait pas voir une femme dans une place publique, agressée, malmenée. Maintenant, personne ne bouge. Ça se fait, personne n'intervient, ni rien, ni policier. Les gens, quand ils te disent, il faut mieux ne pas se mêler.
Il y a des gens qui sont très riches, qui construisent des villas, et juste les routes devant leur villa, qui coûtent des milliards, sont cassées. Il y a des ordures. Personne ne pense. Si tu dis, bon, c'est ça, c'est l'affaire de la pisser, c'est la peur. C'est une irresponsabilité généralisée. Restez avec nous, Montassar Abotron. Je reviens à Saïd Aknin. Je vous laisse d'abord finir ce que vous étiez en train de dire, avant de vous poser une question que je tiens à vous poser. Alors, pour l'origine de ces comportements, il y a plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs, c'est l'absence de l'État. Parce qu'ailleurs, ici en France, tout comme en Angleterre, une infraction, une sanction. Allant jusqu'à faire une expérimentation en Chine, je crois, en 2006, la ville de Pékin, elle avait installé un système de contravention pour les chiens qui vont faire leurs excréments dans... Et en 2008, ils ont eu un résultat très probant, y compris ici en France. Quand il y a les lois et les instruments du respect de la loi, et ceux qui font les lois les respectent, ceux qui sont censés les appliquer, ils les appliquent, là justement ça peut fonctionner. Mais dans le cas de l'Algérie, c'est l'hégémonie par le désordre. Et à partir de là, on ne peut absolument rien attendre de ce qui vient d'en haut. Et comme ils ont habitué une certaine frange de la société à l'assistana et à l'infantilisation de la société, écoutez, je vais vous donner un exemple. Récemment, nous avons vécu, juste avant l'Aïd, des agriculteurs, ou sinon je ne sais pas quoi, qui ont mis du cyanure dans la viande. Il y a un autre scandale. Ils ont mis un produit pour éviter la décomposition des cadavres dans le mouton, oui, pour le vendre aux consommateurs. Oui. Dites-moi, à quoi je peux comparer justement ce genre c'est des criminels. Je vais revenir à vous dans un petit moment pour vous demander de nous expliquer un peu ce qu'est ce fameux personnage du bagarre. Oui. Le bagarre qui ne craint plus rien, dont la seule loi est celle du kfazisme, oui, qui aime rouler en 4x4, qui aime avoir une villa à 3 étages, je vous demanderai de nous en parler. Avant de revenir à nos invités en Skype au téléphone, nous arrivons presque à la fin de l'émission, j'aimerais vous montrer une photo. C'est Mick Mick qui m'a rappelé tout à l'heure avec 1, 2, 3, vive l'Algérie. Vous allez voir les spectateurs football des années 60. Regardez, ce sont des Algériens, des spectateurs de football. Voilà. Bon, ils sont jeunes, hein. Ils sont jeunes. Mais bon. Alors, j'aimerais faire un petit tour de micro très rapide parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Saïd Djabelkhir, s'il vous plaît, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors, à votre avis, on pourra en sortir de cet incivisme triomphant ? Oui, mais pour ça, il faudrait d'abord dire les choses telles qu'elles sont, parce que moi, je ne me rappelle pas bien, mais on me raconte que le président tunisien Bourguiba, c'est notre voisin de jadis, quand il parlait à son peuple à la télévision, il leur disait « Habillez-vous bien, soyez propres, ayez un mouchoir sur vous, ne crachez pas par terre, jetez vos déchets dans l'endroit adéquat, parce que si vous ne faites pas ça, les touristes ne vont pas venir chez vous, et sinon, s'ils ne viennent pas, vous n'allez pas manger. » Donc c'est ce qu'il disait. Alors nous, en ce temps-là, nous, au lieu de dire ça aux Algériens, on faisait les grands discours populistes, mais en réalité, il n'en est rien. En réalité, nous n'avons rien gagné, nous avons gagné les discours et les slogans, mais en réalité, nous n'avons pas construit le citoyen, nous n'avons pas construit l'individu. Et pour parler, pour répondre sur l'équipe nationale, pour moi, l'équipe nationale, ce n'est qu'un sentiment collectif, ce n'est qu'un... c'est tout simplement un sentiment collectif, j'allais dire, de substitution, c'est-à-dire de taouib. Voilà, les gens, ils n'ont rien parce qu'ils n'ont rien, donc ils soutiennent l'équipe nationale pour essayer de se consoler un petit peu. C'est comme le cas, comme il est le cas pour la religion aussi, le sentiment religieux, c'est un sentiment de substitution. Voilà, c'est pour remplacer quelque chose qu'ils n'ont pas. Voilà. Mais je pense qu'il faut revenir à la réalité. Merci, Saïd Benjamin. Je suis obligé de vous interrompre, il nous reste 3 minutes, donc
quelques minutes par invité qui reste. Moustapha Mazouzi, en moins d'une minute, on l'a perdu. Montassor Obotron, pour conclure sur cette question, cette grave question de l'incivisme. Nous l'avons perdu, malheureusement. Nous sommes désolés. Saïd Aknin, le bagarre, c'est à l'origine, c'était un terme qui n'était pas péjoratif. Le bagarre, c'est le maquignon ou le bouvier, le garçon bouvier, le garçon vaché. Oui. Mais aujourd'hui, le bagarre, c'est celui qui a réussi dans la vie, qui a réussi dans les affaires troubles généralement. Qui est riche, trop riche, qui est trop gros, qui roule, qui a 4x4x4, 5 voitures de sport, 3 maisons, qui a les yeux plus gros que le ventre, le Kfaza à outrance. Vous savez, l'apparition de ce genre de phénomène, avant, je disais tout à l'heure, qu'avant, ça a commencé en 2001. Pour casser les djemas en Kabylie. Ils ont créé ce qu'ils ont créé. Et ils ont introduit des questions purement individuelles, à savoir pour qui voter, est-ce qu'il faut voter, ne pas voter, dans les assemblées qui sont censées régir la société et trancher dans les questions collectives, à savoir les djma. Ils ont commencé par là. En 2004, c'est l'intrusion de l'argent. Pour pouvoir gagner son mandat, pour pouvoir régenter la société, pour pouvoir asseoir encore une autre couche d'hypnose dans la société, ils ont ouvert les vannes d'une façon vulgaire. Et pour pouvoir substituer à ceux qui faisaient justement la loi à un certain moment et qui n'étaient pas dans leur siège et qui n'étaient pas pour justement la démarche qui était là, ils ont substitué d'autres d'une façon obscène, vulgaire, ostentatoire. Et ils sont là, tout passe par eux dans ce genre de localité, y compris régir la société, y compris installer des systèmes de peur pour pouvoir justement transformer la société en demandeur de sécurité. Ce qui est censé être fait naturellement par ceux qui gouvernent et par l'État. À ce stade-là, justement, c'est quoi il y en a d'autres aussi apparitions. Et là, je rends hommage à un médecin qui, dans ma localité, est très connu, je ne vais pas citer son nom, qui tous les week-ends, un ophtalmologue, il fait des consultations gratuites et ouvertes pour tout le monde. Je rends hommage aussi à ce village, à savoir Igersefen, qui a donné un bel exemple du tri sélectif de la propreté. Je rends hommage aussi à ce couple à Tipaza qui nettoie les plages. Là où croit le malheur. Denia Mazel Abkhir, merci Montassar Obotron. Il reste une minute, nous allons prendre Montassar Obotron pour le mot de la fin. Montassar, vous êtes avec nous? Oui, effectivement, il y a des exemples. Je peux vous citer le Ouled Asker, dans la région de Jijin, une zone très retirée, un village où il y avait des voleurs qui ont volé la poste. Eh bien, c'était les citoyens qui les ont arrêtés, ils ont appelé la gendarmerie pour les emmener. Ils leur ont dit que ça, c'est notre poste. C'est notre argent, donc c'est un bien public qu'ils ont défendu. Il y a quand même, heureusement, des exemples pareils de citoyenneté, mais en gros, je peux dire qu'on a affaire à l'éocratie qui gère le pays d'une manière... d'ailleurs, si on parle de vol, l'un des plus gros vols, c'est ce régime. C'est à un niveau supérieur, on a entendu d'ailleurs ce qu'a dit le ministre du Commerce. Donc, il favorise à ce qu'il y ait un climat de violence qui peuvent manipuler pour empêcher à ce que, justement, on rentre dans un système démocratique, citoyen ou des valeurs civiles primes. Malheureusement, c'est une situation voulue et encouragée par le régime. Montassar Obotron, merci. Saïd Jebel Khair, merci. Saïd Aknin, merci. Moustapha Mazouzi, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Pardonnez-nous pour le mauvais réseau téléphonique aujourd'hui avec l'Algérie. Bqaou ala khair, bslama.